Ben allô, mes amis du Québec. Je suis en ce moment en Alsace et j'ai décidé de vous amener avec moi à Colmar. Je suis dans une ville absolument extraordinaire, mais c'est tellement beau, il y a tellement de choses à faire qu'il faut que je vous le montre en direct. Alors tiens, on va commencer, puis je vous amène en balade avec moi. Tu veux-tu dire bonjour au Québec? Mon ami Raquel! Bonjour le Québec! À bientôt! C'est mon ami Raquel qui est avec moi. Salut Renaud! Salut Yvonette Boudreau! Salut! Alors, c'est ça. Je voulais juste vous faire un coucou, mais je vais continuer. Je vais vous emmener avec moi. On va visiter ensemble le Colmar en Alsace. Vous allez voir comme c'est beau. Oh là, on cherche une amie. On cherche Karine. Elle est où, Karine? On la cherche. Vous allez la chercher avec moi? Parce qu'il n'y a pas de... Il y a un peu de réseau. Voilà, ça y est. Bon, ben salut. Et puis, en même temps, que je fais ce direct-là, c'était pour vous présenter, moi aussi, les marchés de Noël en Alsace. Il y en a dans presque toutes les villes. On va aller aussi à Strasbourg, où c'est... En fait, l'Alsace, c'est le pays du Père Noël. C'est pour ça qu'ici, c'est super le fun de pouvoir faire des spectacles de Noël. Et demain, non, après-demain, samedi, je serai à Neuf-Brisach. Trop beau, hein? Neuf-Brisach, c'est une ville fortifiée en Alsace. Et je fais un spectacle de Noël là-bas. Une qui tombe dans le ciel. Dans l'église. Oh, regardez ça. Regardez ça. Dites bonjour au Québec, madame. Bonjour, Québec. Hé! Donc, c'était aussi pour dire aux gens, venez me voir, tous ceux qui sont en France ou en Alsace surtout, venez me voir en spectacle. Il y aura aussi à Célestat où je ferai un spectacle aussi. Bon ben, le 22, à l'église de Célestat. Voilà. Et puis là, il y a mon amie Karine qui fait des photos. Regardez-la. Karine, dis bonjour. Bonjour. La vraie Alsacienne, pure souche. Alors, on s'en vient, on continue. Je vous emmène avec moi encore. J'espère qu'il fait beau au Québec. Hein? Là, je vois des Québécois. Fait-tu beau? Fait-tu fret? Y a-tu de la neige? Et ici, il n'y a pas de neige, par exemple. Il fait pas froid, il fait 8 degrés. Il fait, si vous voulez savoir, 8 degrés qu'il fait. Quand même pas. Mais là, j'ai l'air de quelqu'un qui a froid, là, parce que je suis habillée par-dessus la tête. Mais moi, c'est parce que je me protège. Faut que je protège ma voix. Allez, là! Puis ici, en fait, Colmar, on appelle ça la petite Venise alsacienne. Regardez, il y a des canons. Puis, si vous continuez à me suivre, là, je vais vous emmener là où on peut faire des tours de barque. On peut aller circuler sur ces canaux-là avec des barques, comme à Venise, là. Mais c'est à Colmar. Attendez un petit peu. Mais, allez, mes amis, allez pas trop vite. C'est où les barques, Karine? Les barques. Là, on va y aller. Ça, on va voir les barques. Si vous n'êtes pas pressé, on va y aller ensemble. Renaud, qu'est-ce que tu me dis, Renaud? Oui, pas chaud. Il fait pas chaud. Combien il fait, Renaud? Combien il fait au Québec? Ah, il doit faire fret. Bon, alors, je vais continuer de vous montrer. Andrew, tu peux leur montrer. C'est quoi, c'est les Alpes, hein? Oui, regarde, il y a comme des vidéos dedans. Il y a comme des vidéos dedans. Je présente tellement. C'est toujours les canaux. Mets-toi sur le panneau, sur Colmar. C'est beau, hein? N'est-ce pas?
En dessous du Colmar. Tout. Bon, on se fait poser ici. Allez hop. Filme-moi. Ok, là, on se prend en photo. C'est beau? Oui. Va. On retrouve. Donc. C'est où les barques? Moi, qui c'est qui est connecté? Roselyne! Salut, Roselyne! Merci pour ton billet. Ah oh oui, ben, je vais vous parler en même temps, tiens. En même temps qu'on se promène puis que je peux vous dire quelque chose. Ben, le concours est commencé. On a lancé le concours de gagner un voyage au Québec avec Michel Thor en tournée. Plusieurs personnes ont acheté déjà leurs billets. Et vous allez voir que c'est vraiment sympathique. Donc, 4 semaines différentes, dans 4 coins du Québec différents. Et puis, ça va être un forfait vraiment tout compris avec les fans de Michel, les fans de moi, tous ensemble dans les autocars. On va avoir du fun, mais du fun! Pas de bon sens. Gardez ça. Ça va. Alors, les forfaits, eux autres, vont sortir juste en janvier. Donc, en janvier, je vais vous faire une autre vidéo. Oh, mon Dieu, regardez comme c'est beau. Ça, c'est le marché. C'est vraiment comme Venise. Mais moi, j'ai déjà fait des tours de barque ici. J'avais fait des tours, mais c'était pas Noël. C'était de l'été. Avec un gondolier dans des gondoles. Alors, je vous disais quoi? Ah oui, que les forfaits pour les voyages vont sortir en janvier, mi-janvier. Les billets pour les spectacles, parce que ceux qui ne pourront pas nous suivre en voyage, c'est sûr que vous ne pourrez pas tous nous suivre en voyage, mais ceux qui ne pourront pas, ben vous pouvez venir au spectacle. Alors, ceux qui vont être en voyage auront 3 spectacles, parce qu'il y aura 3 spectacles par semaine. 3 sur la Côte-Nord, 3 en Gaspésie, il y aura 3 dans le centre du Québec et 3 Lac-Saint-Jean, Abitibi. Alors, puis il y aura plein d'activités, on fera plein de trucs ensemble. Les gens vont pouvoir aussi assister aux répétitions, ils vont pouvoir assister aux tests de son. De temps en temps, on va pouvoir faire tirer des trucs pour venir dans la loge, prendre un verre de champagne, des choses comme ça. Oh, regarde! C'est ça les gondoles. Dites bonjour au Québec. Oui, en 1995, exactement. Voilà. C'est cool, hein? Là, il y a le marché dedans. Oui. Bon, ben, à ce que je vous ai tout montré ça, je pense que je vais fermer en vous disant que je passe un super de beau voyage, puis que un jour, j'espère vous emmener avec moi. Alors, voilà ce que je fais avec Michel Thor cette année. On va aller dans le marché couvert. Ce que je fais avec Michel Thor cette année, c'est-à-dire que j'amène les Français au Québec, ben je vais faire la même chose en France. Alors, on l'essaye de cette façon-là, si ça fonctionne bien.